Je vais prendre Reno Jackson. J'aime pas Bekovan dans la méta. Les Uran, on en voit plus trop, n'empêche. Les compos Uran, c'est très très rare. Une aventure magique nous attend. Mayday! Merci Mich Daube du 22. C'est rigolo comme pseudo, Mich Daube. Du 22 en plus. Merci beaucoup pour ton abonnement pris pour 3 mois d'avance. Merci, c'est super, super important ce que tu fais. Merci infiniment Mich Daube. Merci beaucoup. Juste besoin d'un bon coup de balai. Ça, quand il y a mort vivant, c'est pas forcément bien. Ou quand il y a mecha. Enfin, quand il y a mecha, si, il y a ça. Mais quand il y a mort vivant, je pense que c'est ok quand même. Ça ou la momie. Ah, plutôt la bombe quand même. Allez. Petite bombe bono. Merci Durzark. Merci beaucoup. Qui transforme son abonnement Prime en abonnement de niveau 1. Ah, c'est chouette ça. Merci, merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Merci de ton aide, Durzark. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un écusson qui brille. La faute revêt toutes les formes. Oh! Impressionnant! Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. On triple maintenant? C'est bizarre. Je pourrais pas tripler dans une taverne 5. Après, je peux décaler, hein. Non, on va tripler dans une 4. Je prends une bombe. Ouais, tour T4, je pense. La question, c'est est-ce qu'on veut un charpentier ou le tireur de câble? Charpentier, ça combote avec pas grand-chose. Ah si, ouais, non. En fait, lui, il combatte avec la Peggy. Et charpentier, la 1 Boubou Divin, j'hésitais avec la 1. Parce que la 1 Boubou Divin, elle fonctionne avec... avec le graisse au bot.
Allez hop. Tout le mérite est pour vous. Je le dors. Je crois que j'ai envie de le dorer, hein. Mais dans ce cas-là, on échange les trois contre un tireur de câble. C'est bizarre. Mais... franchement, ça se dort, hein. Faut pas penser à dorer que des tavernes 4, 5 ou 6, hein. Ouais, je pense que c'est le play, hein. C'est quoi la raison, Cyril Bouquet? Tu me dis non, ne dors pas. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Pourquoi tu veux pas que je dors? Ok. Faut des arguments, tu vois ce que je veux dire? Si c'est tu peux dorer une taverne 5 ou 6, oui, mais c'est pas un argument recevable dans cette situation. Merci Charlie Z, merci de ton aide, c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup. Non. Ah non les gars, c'est n'importe quoi ce que vous faites. À droite. Non. Bah ouais mais ça perd maintenant. Merci Charlie Z. Ouais ça sert à rien de me faire un bisou après me mettre des dégâts. Hein. Ça se fait pas. Hein. Éprouvez-vous un peu. Vous pouvez y arriver. Globe d'Azeroth, c'est pas mal, non? Ou caisse de torréfaction, mais... dans... ouais. Non, globe d'Azeroth. Nice. Prends l'argent. Ça me fait de la peine de faire grossir des T1. Mais il faut pas le voir comme ça, il faut le voir en termes de synergie. Tu vois. Il y a pas de, il faut pas considérer le niveau de taverne, enfin il n'y a pas une corrélation parfaite entre le niveau de taverne et la puissance de la créature. Avec Gressobot doré, les créatures boubou divin, elles ont beaucoup d'impact dans la partie, beaucoup de puissance, quel que soit finalement leur niveau de taverne. Je sais pas si c'est très clair, mais... par exemple, avec Renault, c'est assez rare de dorer des tavernes 5 et 6. En général, tu vas dorer souvent des tavernes 3 ou 4 avec Renault. Mais tu te dis pas, bah c'est dommage, je peux dorer des 6. Non, parce que dorer une taverne 6 avec 20 points de vie de moins, ça a pas de sens. Je préfère garder mes points de vie et dorer une 3 ou une 4. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Mecha. Est-ce qu'on up? Je pense, hein. Un ajout de qualité. Oh waouh. En fait, à la base, j'aurais eu une Peggy par exemple, j'aurais doré Peggy. Avec mon charpentier. J'aurais... parce qu'en fait, ça m'aurait apporté tellement de tempo que derrière, et avec les bibelots, j'ai plus de temps de construction. C'est-à-dire qu'à un moment, si je veux up taverne 5, je sais que j'ai la tempo derrière. Tu vois? Là, par exemple, j'ai une belle tempo avec ce Gressobot. Donc, je peux envisager de faire un up taverne 5. Le up taverne 5, tu le fais pas si ta tempo est pas bonne et tu le fais pas si tu es à moins de 30 points de vie très souvent. Tu vois l'idée? Donc, en fait, le fait de dorer Gressobot ou Peggy ou, je sais pas, Phalange, par exemple, ça me permet d'enclencher plein de lignes de play intéressantes. Alors que si je dors pas, bah finalement, ça me
ça limite totalement mes chemins. Là, j'ai une multitude de chemins. Là où si j'attends de dorer une taverne 5 et 6, bah finalement, je rentre que dans un chemin qui, de surcroît, est hasardeux. Je comprends le play d'utiliser le HP là pour la tempo. Mais pas que, pour la construction. Plus 4, plus 2, ça construit quand même des choses. Puis la tempo apporte de la construction dans ma stratégie de up et dans ma stratégie de bibelot. Les deux sont liés, hein, s'entremêlent, hein, la tempo et la construction. C'est pas genre je fais de la tempo et ensuite je fais de la construction. C'est quelque chose de naturel qui monte, vous voyez ? Bon, c'est très théorique ce que je dis, mais si vous arrivez à le comprendre, c'est chouette. Eh bien, ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Amalgame, c'est très gros. Faucheur, c'est bien, mais il faut en numéro, sinon ça fait rien. Moi, j'aime bien Amalgame. Avec ça. Ah. Bon, c'est pas très grave, hein, je le mets là-dessus. Serviteur, c'est un habitué. Incroyable, c'est Gresso. S'il n'y avait pas eu Gresso, j'aurais pris le up. Hein, parce que je suis assez... je suis assez confiant sur ma tempo, mais rajouter un Gresso, c'est bien. Manque plus que le bibelot qui remet un bouclier divin à chaque perte. Je sais pas, je pense que celui qui donne de l'attaque est mieux. Celui qui donne 7 d'attaque sur les boubous divins. Le faucheur aurait été insane. Bah j'avais pas de boubous divins sur le faucheur. J'incarne ma propre vision de la crasse. C'est insane s'il a boubous divin, mais à part ennuyo, y a rien qui lui donne boubous divin. La probabilité de trouver en Nuyo, c'est très faible. Ça, c'était peut-être 5%, 10%, tu vois. Puis là, à côté, on a eu une bonne carte quand même. Genre, Amalgame, c'est une vraie bonne carte. Ça, ça veut dire qu'on joue Magnette. Et ça, ça veut dire que... Non, mais on va faire le gantelet. Hop, ça. Sur... Ouais, sur Gresso. L'idée, c'est d'arriver à trouver un polarisant. Je pense que c'est ce qu'il peut le plus gagner dans le late game. On est que tour 9, hein. Tour 9, on a un board intéressant, ce qui scale. Mais pour envisager un top 1, il va falloir drone de service, Dracari, polarisant, je pense. On va voir. Je suis pas sûr que le Deflecto, par exemple, soit bien. Je sais pas si on aura la place. On va voir. Mais voyez ce que ça a apporté de dorer ça? Finalement, ça m'ouvre. Vous voyez, là, ça m'ouvre plein de réflexions différentes. Le fait de jouer polarisant, je peux aussi peut-être partir sur Tétis, Tétis Bran avec Amalgame. Et finalement, je booste les Gresso. Donc, vous voyez, j'ai plein encore de lignes de play possibles. Plus vous faites de tempo,
plus vous avez de chemin de construction. Voilà. Peut-être dit comme ça, c'est plus facile à comprendre. Merci Amour du X. Merci beaucoup. 62 mois de soutien. Putain, mais 62 mois ? On est à presque un an là. Presque un an de d'abonnement. Ça, c'est fou. Merci beaucoup. Merci de ton aide. Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue, exactement. The wizard is never late. Merci à toi. Merci Gandalf, corbeau de tempête. Merci, je reste ici pour le Prime. Merci beaucoup. Je suis encore le meilleur. Est-ce qu'on re-up ? Je pense, hein. Est-ce qu'on veut une Draka ? Non. Bon, ça, on dégage. Hein. Ah, il y a un déflec. Bon, on peut quand même prendre le déflec. Oh, c'est gros, ça. C'est plutôt comme ça. Hein. Un truc comme ça. Non, je crois qu'on va quand même faire ça. Non. Allez, faisons comme ça. Ça fait plutôt 5 ans. 62 mois de soutien. 62 mois, c'est 5 ans. Là, je recompte. Moi, j'arrive à un an. Mon calcul est pas très bon, peut-être. Ouais. Après, c'est pas une chance exacte. Hein. Oh, il a un beau polarisant, lui. Qu'est-ce que le temps ? Voilà. Un insecte, non ? Cinq ans et deux mois ? Prouve-le. C'est bien, ça scale bien. Ça compote, comme on dit. Ok. La belle épée. Hey, salut toi. Mon adversaire, il jouait des trucs. Hein. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Je peux pas le virer, hein. Un
trop drôle ce board. Ça peut être sympa avec le sort qui met que des mechas dans la taverne. Il y a le sort qui mange aussi. Je pense que je peux me permettre de l'acheter parce que ça, j'ai envie de le virer. Ouais, lui, peut-être lui. Et surtout lui, j'ai envie de le virer. Mais ça m'ennuie de perdre 46 de stats quand même. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Non! Ouais, t'avais peu de chance, hein, Chelsea. Désolé, hein. Désolé pour ce top 6. Tu risques d'avoir le blues. Ok. Amalgame. Oh. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. C'est lent, hein. C'est lent, mais parce que j'arrive pas à trouver mes trucs. On ne bouge plus. Je vois pas l'intérêt de le jouer. Ça fait 26. C'est comme 55. Je pense que c'est ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Ouais, en fait, je gagne. Je pense que je perds pas en stade vu que j'ai l'amalgame et je fais des spots d'amalgame là. Pourquoi jouer le spell? Pourquoi pas jouer le spell maintenant par rapport à Amalgam? Je peux mourir là en vrai. Bon, 36 c'est quand même beaucoup de life, mais. Je vais prendre une partie, non? 30, ouais. Ouais, bon bah lui il va gagner de lobby, je pense quand même, hein, parce que tour 12. Tour 12, c'est pas mal, hein. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez.
Ah, il m'a mis une belle gifle. Après, on est dans une compo Gresso. Hein. Le problème, c'est qu'on a raté nos trois fois beatboxer avec ça. Ce qui fait qu'on n'a pas pu compoter avec. Et on n'a jamais trouvé drone de service. Sinon, notre board, il aurait pris en stat, évidemment. On aurait pris une Dracari à un moment. Donc, ouais. Malheureusement, on va faire troisième. Mais vous voyez, c'était vraiment intéressant, le play Reno. Hein. Parce qu'on a assuré un top 4, vraiment easy, quoi. Avec une vraie potentialité de top 1. Si on avait trouvé un polarisant plutôt ou un Bran. Mais évidemment, là, à la fin, on joue contre des compos qui sont... Là, il adorait ça avec les tavernes 7 pirates. Forcément, c'est pas... Mais vous voyez, c'est des games qui sont faciles, quoi. C'est juste que la décision, elle est difficile. Parce que c'est vrai qu'avec Reno, on a envie d'aller dorer de la taverne 5. On a envie de dorer de la taverne 6. Donc, on polarise nos games, en fait. Soit on se met en top 8, soit en top 1. Alors qu'avec mon play de Gresso, je me mets 100% top 4. Là, on peut le dire, vraiment, c'est 100% top 4. Et avec une vraie potentialité de top 1, de top 2, si je trouve un polarisant. Parce que l'autre, je le passe avec polarisant. Son board, il est pas si gros que ça. Bon, lui, il est vraiment au-dessus. Mais l'autre, je peux le passer. Vous voyez ?